nous le président de l'Algérie Kabylie. Moi, Chérif Hanachi, bonjour. Bonjour, Mahamar. Bonjour, amis auditeurs. Vous confirmez, Monsieur Kassi Saïd, le manager général, vous a appelé pour vous rassurer, vous dire je ne contacterai aucun joueur de la JS Kabylie, même si vous avez 25 joueurs libres, je n'en prendrai aucun par respect à la JSK. Écoutez, Mahamar, moi j'ai beaucoup de respect pour le Mouloudia. Lorsqu'on était avec Omar Rib, dès qu'il me dit une parole, c'est une parole. Mais le Mouloudia d'actuel, ils ont contacté mes joueurs. Ah, vous confirmez, ils ont contacté les Je joueurs. Je confirme qu'ils m'ont contacté, c'est Kassi Saïd qui a été voir à cela. D'accord. Voilà. Donc vous dites ils m'ont contacté les joueurs et vous dites c'est monsieur Kassi Saïd. Oui, oui, ils m'ont contacté. Je sais pas moi. Maintenant, il me dit Blitz, c'est collégial lorsqu'on décide. Alors que Boumla, il m'a dit, c'est moi le patron. Alors, qui croire maintenant? Eh bien, vous venez donc de dire et de donner cette information à cela contacté par le Mouloudia d'Alger. Vous dites, c'est Kassi Saïd lui-même qui est venu voir le joueur à cela, ou qui a vu le joueur à cela. C'est ce que vous a dit votre gardien de but. Oui. Très bien. Justement, alors, des contacts pour vous qui viendraient pour un petit peu déstabiliser l'équipe ou... C'est tout à fait normal. C'est sûr que c'est pour déstabiliser. Parce qu'on joue. On joue peut-être même en finale. Peut-être, je sais pas, maintenant, on peut gagner comme on peut perdre. Mais c'est tout à fait normal. C'est pour prévoir. C'est comme ça qu'on comprend ici à Tizouze. C'est comme ça que vous l'avez compris à la veille de cette confrontation. Président Hanachi, vous l'avez entendu maintenant parce que vous étiez à l'écoute. Kassi Saïd dit à l'aller, ils ont donné 1000 places. Vous donnez combien de places pour le match retour pour les supporters du Mouloudia d'Alger? Non, ils nous ont donné 500 places. Il n'y a pas de 1000 places. D'accord, donc 500. Ils nous ont donné 500 places, on leur donne 500 places. On a tout prévu. C'est un ticket jaune, et dès que les 500 places sont vendues, on ferme la porte. Pour vous, c'est un match important, Président Hanachi, pour la suite de la compétition, pour la suite du championnat. À la JSK, on rêve de la Champions League africaine. Et maman, tous les matchs sont importants. C'est pas uniquement le Mouloudia d'Alger. Lorsqu'il dit la sécurité, on a frappé quelqu'un à Tizouzou. Ah, il y a que le boulot, si quelqu'un, un supporter a frappé un supporter, jamais. On respecte tout le monde. Sur le terrain, moi je voudrais revenir sur le terrain, Président Hanachi. Vous l'avez dit, tous les matchs sont importants, c'est vrai. Quand vous dites tous les matchs sont importants, ça veut dire qu'il ne faut céder aucun point déjà à domicile. Mais bien sûr, Mahamar. Maintenant, je suis président. Je veux du bien pour mon équipe ou la perte pour mon équipe. C'est tout à fait normal. On va jouer pour gagner, on va tout faire pour gagner ce match. Vous sentez la confiance revenir dans le groupe? Oui. Après les deux derniers matchs, l'équipe commence à revenir. Président Hanachi, je ne vais pas vous dire comment vous allez jouer, mais vous pensez que c'est un match où il y aura du spectacle? Je vais vous donner même la composition de l'équipe. Non. Vous êtes libre, si vous voulez la donner, vous la donnez, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pensez que c'est un match où on va avoir des buts ou bien ça va jouer sur un but, sur une erreur, sur une balle arrêtée? Écoutez, maman, il n'y a que le bon Dieu qui peut vous répondre. Au vu des forces en présence. Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir des buts. Vous pensez qu'il va y avoir des buts et que ce match va tenir toutes ses promesses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un enjeu, il y a cette deuxième place. Et on a vu nos équipes, dès qu'il y a un enjeu, il y a une deuxième place ou une première place, les joueurs, comme si ils jouaient la peur au ventre. Ça dépend des matchs, je sais que demain il va y avoir des buts. Après la composition c'est autre chose, c'est aux entraîneurs de faire leur choix. Alors justement, on est à 24 heures du match, c'est la mise au vert pour les joueurs de la JSK afin de qu'ils ne soient que personne ne les approche, que personne ne puisse toucher un de vos joueurs. Oui, ils vont être dans un autre hôtel en dehors de Amraoua. Eh bien voilà qui donne le là pour cette confrontation entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Ça sera le choc de cette journée, ça sera le classico algérien. Président Hanachi, merci d'avoir été avec nous en direct. Oui, merci. Merci, vous l'avez entendu.